Avant de commencer, juste un petit mot pour vous remercier pour vos commentaires et pour les petits pouces bleus. Voilà, la série vient de commencer et ces retours enthousiastes, bah, ça motive à faire la suite. Donc vraiment, je voulais remercier ceux qui ont réagi sur les vidéos. Surtout, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo d'initiation au synthétiseur modulaire. Dans la vidéo précédente, on avait attaqué avec un patch pour créer une voix de synthèse plutôt orientée East Coast. Et je vous invite à revoir cette vidéo parce que dans celle-ci, j'expliquais très brièvement ce que sont les synthèses East Coast et West Coast. Et puisqu'aujourd'hui, donc après avoir vu une voix de synthèse plutôt type East Coast, donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la synthèse dite West Coast. Et notamment pour ça, on va utiliser donc mon synthétiseur modulaire qui est essentiellement à base de modules Make Noise. Pour ce deuxième patch de la série, on va utiliser mon système modulaire, donc qui est un système, comme je le disais juste avant, qui est essentiellement composé de modules de chez Make Noise, qui sont des modules, à l'image de ce que je vous disais, plutôt orientés West Coast. Comme je l'évoquais dans la vidéo précédente, dans la synthèse dite West Coast, on part plutôt d'oscillateurs avec des formes d'ondes beaucoup plus pauvres en harmonique. La plus pauvre des formes d'ondes non harmoniques, c'est donc la forme sinusoïdale. Dans la synthèse East Coast, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on partait de formes d'ondes riches en harmoniques, et avec le filtre, donc, on pouvait agir là-dessus pour retirer des harmoniques. Et par exemple, quand on a retiré toutes les harmoniques, finalement, notre onde, qui était par exemple une dent de scie à l'origine, devient une sinus par l'action du filtrage. Là, ça va être exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir d'une sinus et on va venir enrichir la sonorité de cette sinus. Donc sur le module ici, le DPO, qui est inspiré par Boucla, la sortie finale est une sortie, en fait, on va l'écouter, qui est basée sur une sinus, et cette sinus, par un repliement du spectre, qu'on va contrôler avec ce paramètre-là, qui est le fold, on va venir ajouter des harmoniques. Donc on va écouter ça tout de suite. Donc là, on retrouve notre sinus, et à chaque fois que je vais augmenter, le spectre de ma sinus va se replier, ce qui va créer autant d'harmoniques. Des moyens dans la synthèse West Coast d'enrichir les harmoniques. L'autre moyen qui est très fréquemment utilisé dans la synthèse West Coast, c'est d'utiliser un deuxième oscillateur qui va servir à moduler le premier avec ce qu'on appelle de la FM, Frequency Modulation, modulation de fréquence. C'est-à-dire qu'on utilise notre oscillateur. Vous vous souvenez, dans le patch de la vidéo précédente, on utilisait un LFO pour moduler, par exemple, on avait modulé la largeur d'impulsion de l'onde carrée, donc le pulse width modulation. De la même façon, on peut utiliser un oscillateur pour moduler un autre paramètre. Et là, la FM, le principe, c'est d'utiliser un oscillateur pour moduler la fréquence de notre oscillateur. Donc on va écouter notre forme d'onde sinusoïdale, et on va utiliser cet oscillateur-là pour moduler la fréquence à une vitesse évidemment très élevée, puisque ce sera celle de cet oscillateur. Et donc, comme vous pouvez l'entendre, notre sinus s'enrichit d'harmoniques. Autant dans la synthèse East Coast, il y avait une recherche, on va dire, harmonique classique, la synthèse West Coast, à ses origines, revendiquait quand même une approche plus timbrale, de recherche de sons plutôt du vivant. On va dire que
au début, et même si on retrouve un clavier chromatique sur le Music Easel par exemple, Don Buchla n'était pas sur une recherche nécessairement de musique tonale. Et là d'ailleurs, dans le patch qu'on va explorer aujourd'hui, on ne va pas tellement s'inquiéter de l'aspect tonal, mais plutôt de l'aspect timbral. Donc comme je vous le disais très rapidement dans la vidéo précédente, à la place du VCA, nous avons en synthèse West Coast ce qu'on appelle un low-pass gate, LPG pour faire vite. Le principe du low-pass gate, comme je l'avais expliqué très brièvement, c'est que non seulement on joue sur l'amplitude du son, mais on joue également sur son contenu harmonique. C'est-à-dire que pour faire simple, c'est un module qui compile à la fois un VCA et un VCF non résonnant. Non résonnant dans ce cas-là, puisqu'on a des LPG qui peuvent être résonants. Là, je vais utiliser ce module qui est donc l'Optomix. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'Optomix. Je mettrai le lien certainement ici ou là sur l'écran, ou alors en bas dans la description. Donc je vais utiliser la sortie finale de mon oscillateur. Donc, je fais attention à monter le fold pour que le son soit quand même relativement riche en harmonique. Et on va venir écouter la sortie de notre LPG. Et donc, comme avec le VCA dans la vidéo précédente, tant que ce module est fermé, le son ne passe pas. Et si j'ouvre... Et donc là, si vous avez écouté très attentivement, vous avez pu vous rendre compte que quand je referme, le son non seulement baisse en volume, mais également, il y a un filtre passe-bas, donc qui coupe les hautes fréquences. Ce qui donne une réponse, finalement, qui est plus proche des sons naturels, c'est-à-dire que les sons naturels, les sons les plus faibles ont tendance à perdre de leur brillance, de leur haute fréquence. Et également, regardez, je vais tourner très vite ce potentiomètre. Vous voyez que... on a une petite latence. Et cette latence, elle est liée à un composant très important dans le low-pass gate, je ne vais pas rentrer dans les détails électroniques, mais qui a une réponse plus lente, c'est-à-dire qu'au lieu d'être immédiat, les changements prennent un certain temps. Et ce qui donne la particularité des low-pass gates. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre un signal d'horloge régulier, c'est-à-dire un gate, qui va venir ouvrir et fermer notre low-pass gate. Donc là, j'utilise ce module-ci. Donc comme vous voyez, à l'aide de la LED qui clignote, cette LED indique donc quand c'est vert, 5 volts, quand c'est éteint, 0 volts. Donc voilà, très simple. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous allez entendre donc, chaque impulsion d'horloge. Donc chaque impulsion d'horloge, comme vous l'entendez, ouvre le LPG. Et il y a toujours, comme je vous l'ai dit, donc cette réaction un petit peu lente qui fait que le son traîne très 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 légèrement derrière, et ce qui donne un petit aspect plus organique au son qu'un VCA qui lui, si j'utilisais de la même façon sur un VCA directement une horloge, on aura un son vraiment on-off, beaucoup plus dur et beaucoup plus sec. Et maintenant, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, on va venir animer le son. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser un générateur de fonctions qui va moduler l'envoi de FM de cet oscillateur vers celui-ci. Donc là, on arrive sur quelque chose qui peut peut-être sembler cryptique. Donc un générateur de fonctions, tel que celui-ci, comment ça fonctionne? Donc là, on est dans quelque chose en fait qui est beaucoup plus souple que l'enveloppe ADSR qu'on avait vu ou que le LFO qu'on avait vu dans la vidéo précédente, puisqu'il permet de combiner beaucoup de fonctions, mais il demande évidemment un peu plus de travail. Donc celui-ci, il a donc deux potentiomètres, un potentiomètre de rise et un potentiomètre de fall. Ce qui veut dire que c'est, on a un potentiomètre qui indique le temps qu'il met à monter et le temps qu'il met à se refermer. Donc en gros, dès qu'il va recevoir un signal ici, il va mettre un certain temps à atteindre la valeur du signal qu'il reçoit ici. Et une fois qu'il reçoit plus de signal, il va mettre un certain temps, qu'on va définir avec celui-là, à revenir à 0 volts. Là, ce qu'on va faire, c'est que
ce générateur de fonctions, on peut également le mettre en boucle. Donc, si j'appuie sur ce bouton, Cycle, ce qui se passe, c'est que là, mon générateur de fonctions, il est en boucle. Je ne vais pas rentrer encore dans le détail de ce potentiomètre-là, ce sont des notions qu'on verra un petit peu plus tard. Et donc maintenant qu'il est mis en boucle, tout simplement je me retrouve avec quelque chose de très très proche d'un LFO. Alors contrairement à LFO, on avait vu dans la précédente vidéo qui est bipolaire, cette modulation elle est unipolaire, c'est-à-dire qu'on part de 0 volts et on va à un voltage supérieur. Donc là je prends la sortie, et je vais lui demander de faire de la FM de cet oscillateur-là à cet oscillateur-là quand il reçoit un voltage positif ici. Donc vous voyez là, on voit bien à l'aide de la LED, vous voyez bien que la modulation qui part d'ici, elle arrive bien ici. Donc maintenant on va écouter le résultat. Là, on commence à avoir de l'animation de notre son. Et maintenant, sans vraiment se soucier de la question harmonique, on va venir jouer de manière aléatoire sur la fréquence de notre oscillateur. Donc pour ça, je vais utiliser ce module-là, qui est relativement complexe, mais on va dire, là, pour faire très très simple, qu'à la vitesse, qu'à chaque impulsion d'horloge, cette sortie-là permet d'envoyer une valeur aléatoire. Donc quand le potentiomètre est à 0, la valeur aléatoire est à 0, et plus je monte, plus la valeur aléatoire est entre 0 volts et une valeur élevée, jusqu'à, il me semble, entre 0 et 5 volts au maximum, mais ça c'est à vérifier. En tout cas, plus je vais tourner ce potentiomètre-là, plus la valeur sera élevée entre 0 volts et la valeur supérieure. Donc on va venir écouter ça tout de suite. Donc pour ce dernier patch, on va donc s'amuser à moduler d'autres paramètres pour animer encore plus notre patch. Donc comme vous voyez, et ça vous verrez sur de nombreux modules, à côté de ces entrées CV, il y a ce qu'on appelle des atténuateurs. Les atténuateurs, en fait, permettent de doser le nombre de modulations qu'on veut envoyer vers le paramètre qu'on souhaite moduler. Donc là, en étant à ce niveau-là, ce qui est reçu ici dans l'entrée CV n'est pas du tout envoyé à ce paramètre. Et plus je vais tourner ce potentiomètre, plus l'influence va être grande. Et si j'arrive au maximum, je vais recevoir exactement le voltage maximum qui est envoyé à l'entrée sur ce paramètre. Et plus je vais descendre, plus ce voltage va être atténué, c'est-à-dire que le maximum ici sera la moitié du réel maximum qui reçoit ici. C'est-à-dire que s'il reçoit une modulation entre 0 et 5 volts, quand je suis ici, ce paramètre reçoit une modulation entre 0 et 2,5 volts. Donc là, pour l'instant, je mets tout à 0. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un atténuverteur. Donc lui, quand il est à midi, il ne reçoit aucune modulation. Quand il est à fond, donc il reçoit la modulation exactement telle qu'elle est en entrée. Et quand on part dans l'autre sens, il inverse la modulation. S'il reçoit ici une modulation entre 0 et 5 volts, eh bien, comme je suis dans le négatif, ici je serai entre 0 et moins 5 volts, ici à peu près entre 0 et moins 2,5 volts, ainsi de suite. Et donc là on va écouter ce que donne notre patch, donc avec ces modulations je vais faire venir très progressivement sur notre oscillateur.
J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Évidemment, quand on aborde la synthèse West Coast, on perd un peu nos repères et nos habitudes. J'ai volontairement essayé de rester le plus simple possible et le plus généraliste possible. On peut aller évidemment beaucoup plus loin, de la même façon qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans le patch précédent. Là, j'ai voulu quand même rester relativement simple. L'essentiel à retenir au niveau du patch pour qu'il fonctionne, c'est donc que nous utilisons la sortie de notre oscillateur pour le faire rentrer dans notre low-pass gate, que ici nous avons utilisé donc un simple gate, signal gate, pour déclencher le low-pass gate, et que le reste, après, c'est de la modulation pour animer notre patch. Évidemment, j'aurais pu jouer quelque chose de timbral dans une gamme voilà, de mon choix. Là, j'ai fait le choix de partir sur un patch, comme je vous l'ai dit, qui ne recherchait pas nécessairement l'harmonie. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser vos questions, commentaires dans la section juste en dessous, de laisser aussi vos pouces bleus. Dans la prochaine vidéo, je pense que nous allons aborder la question du séquenceur et de voir un petit peu les possibilités du séquenceur dans le modulaire qui sont souvent bien au-delà de ce à quoi on pense tout simplement à cause d'habitudes qu'on a prises avec des séquenceurs hardware non modulaires. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine.